Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin sur Resident Evil 4 Remake. Enfin, putain, nous sommes actuellement le 1er avril. Nous sommes un samedi, il est actuellement 23h. Comme vous le voyez en plus, le jeu, je ne l'ai pas encore installé à fond. Avec ma connexion de merde, c'est assez compliqué parce que le jeu, mine de rien, pèse lourd. Je crois que c'est 65 Go, un truc comme ça. Donc je pense que je l'aurai dimanche matin, donc pour moi le lendemain. Donc il est fort probable qu'à un moment donné, ça me dise que pour continuer, il va falloir que j'installe le jeu dans son entièreté, pardon. Donc voilà, mais j'ai tellement envie d'y jouer qu'on va au moins essayer de faire le début, en tout cas faire ce que je peux faire, ce qui m'est proposé par le jeu, de ce que j'ai installé pour le moment. Et si je peux au moins vous balancer un premier épisode, ça serait sympathique. J'espère vous l'envoyer un dimanche, donc le dimanche 2 avril ou au moins le lundi 3 avril. On verra. Donc du coup, RE5, pour le moment, on va le mettre en stand-by. Je ne vais pas y toucher pour le moment. On va se concentrer que sur RE4 Remake. Putain, ça fait plaisir. Alors, langue français, sous-titres français, sous-titres langue des textes français, sous-titres oui. Priorité graphisme, on va se mettre en framerate et je préfère quand même les FPS. Au moins on aura le jeu en 60 FPS, ça sera bien parce que le jeu en résolution, d'après ce que j'ai vu, c'est pas réellement du 60. Donc voilà, je préfère jouer en 60 FPS. Après c'est comme la préférence de certains, mais moi pour ma préférence, je préfère le 60 FPS. Du coup on est parti alors. Jusqu'à ce que les motifs soient à peine visibles. Ouais bah comme ça. À peine visible. Ouais comme ça. Après c'est vrai que le jeu était assez sombre hein, quand même, donc on va se mettre comme ça. Les pré-réglages suivants sont disponibles via l'onglet accessibilité du menu options. Ouais c'est bien, je m'en fous. Ça m'a l'air bon. Allez, j'accepte tout. J'accepte tout. Oui, Capcom. Oui. Oui, je veux jouer, Capcom. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Depuis le temps que j'attends ce jeu, bordel. Et il y a toujours pas ce Resident Evil 4. Ça me saoule, pourquoi ils ont enlevé ça? Merde. Bon du coup, j'ai pas envie d'attendre, fuck les options, les menus, on s'en fout, je veux jouer. On se met en normal, et on est parti. Ah là 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 là, je suis tout excité. Et bah ça commence bien. Je vais baisser un petit peu le son parce que... 30 septembre 1998. Une date gravée. Je ne m'entends plus parler quoi. Le flic en moi est mort ce jour-là. Cette nuit-là, Raccoon City a été détruite à cause des armes biologiques créées par Umbrella. J'ai réussi à m'en sortir, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Ensuite, on m'a demandé de rejoindre un programme gouvernemental top secret. C'est pas comme si j'avais eu le choix. L'entraînement, les missions éprouvantes ont presque ma peau. Mais au moins, ça m'a permis de penser à autre chose. Si seulement je pouvais oublier cette nuit-là, la douleur, ne serait-ce qu'une seconde. Cette fois, ce sera différent. Il le faut. Bon les gars, pareil, hein, mettez-vous dans le noir. Oh, il y a un bug de son là. Alors, Yankee, qu'est-ce qui t'amène dans un endroit pareil? Tu sais, c'est le trou du cul du monde ici. Disons que je cherche quelqu'un.
Ça doit être quelqu'un de très important, hein? Les ordres viennent du chef en personne. Aidez-le, il a dit. Bah, j'ai bien compris que vous aviez pas fait tout ce chemin pour faire un barbecue. Je me trompe? T'as un drôle de sens de l'humour, toi. Je vais te confier un petit secret. Et ça reste entre nous. Il y a pas mal de disparitions dans le coin. Et ça fait un bon moment que ça dure. Ben alors, j'imagine que pour vous, ça devrait être la routine, non? Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû rechercher des randonneurs. Je suis certain que vous ferez tout ce qu'il faut pour m'aider. Alors ça, on ne l'avait pas vu durant la démo. Bon, je crois qu'on y est. Besoin naturel. Je reviens tout de suite. Que frio! Tu as bebido el bar entero? Cigarette? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? Déjà, c'est différent de l'original, parce que là, le flic se barre. Eh ben, dis donc, il a mis du temps. Il est tombé ou quoi? Eh, dis-moi, ça te dérangerait pas d'aller voir ce qu'il fait? Je reste dans la voiture. Ce serait dommage de prendre une amende. Putain, tu parles d'une aide. Bien, donc là ça commence comme la démo. Chapitre 1. Cherchez le policier. Alors là la question c'est, est-ce que on va pouvoir sauver le chien? Parce que rappelez-vous, dans la démo le chien était déjà mort. Où est-ce qu'il est passé? Bon, pour le moment on connaît, ça on l'a fait durant la démo, mais par contre c'est toujours aussi classe hein, les mecs, hein. Franchement. Y a quelqu'un? Le jugement approche.
Désolé d'être entré comme ça. Busco a un policía. Dino aquí. Y viviremos contigo por siempre. Porque nos va. Le flic se fait torturer, bordel. C'est la... Clé de la cave. Merde. C'est la merde. Ah, oh, ça schlingue. J'ai pas envie de savoir ce qu'il bouffe, le mec. Carte de la police. Police nationale. Mario Fernandez Castagne. Eh ben, c'est bien dégueulasse. Ah, mais ça, je l'avais pas vu dans la démo, ce truc-là. J'étais sûrement passé à côté. Pénétrons dans la cave. Putain, en plus, l'original, vu qu'on l'a fait il y a pas si longtemps que ça... frais dans nos têtes, on va pouvoir voir les différences qu'il y a eu. J'écoute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Merde, qu'est-ce qui se passe? Merde! C'était quoi? C'est le mec que tu viens d'éclater, Léon. Putain, j'y crois pas. L'enculé, l'enculé. Quand on pense avoir tout vu. Alors, je sais qu'on peut parer dans le jeu, dans la démo, je l'ai pas fait. Alors, apparemment, de ce que j'ai vu, il faut sortir le couteau et au moment où le mec veut te taper, il faut que je tape en même temps. Je crois que c'est ça. De toute façon, je pense qu'ils vont nous le dire. On aura sûrement un tuto d'affiché pour nous dire qu'on peut parer. Je me casse de là. C'est bon. Il m'a pas vu. Bonsoir. Ici Condor 1. Ici Hannigan. Du nouveau? La fille du président, Eglon. Elle est sûrement dans ce village. Nos infos étaient correctes. Bon boulot. Il me faut l'itinéraire vers un lac. On l'a peut-être emmené là-bas. Compris. Je vais voir ce que je peux trouver. Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. On escorte...
J'y aille, je te rappelle. Ok, je me casse. Je peux faire des demi-tours. J'ai l'impression que je peux pas faire de demi-tours. Alors ça c'est problématique ça. Non, non je peux pas. Je suis obligé de tourner ma caméra comme. Oh les mecs ça va être tendax. Quand on va arriver au château ça va être tendu hein. De la poudre noire. J'entends encore un corbac. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder là? Ah, on peut sauvegarder. Eh, on a accès au coffre directement ici. Et à la mallette, c'est quoi ce truc? Changer de mallette. Ah, j'aime bien la musique quand même. Attendez, je vais faire une petite sauvegarde, on sait jamais. Alors, est-ce que je peux combiner déjà? Ah, il me faut de la poudre noire et de la ferraille apparemment. Ok. Ah non, le chien est déjà mort! Ah mais je pense qu'on pourrait la sauver à un moment donné, c'est sûr. Messieurs, je sais qu'il y a du monde ici, je sais. Merde. Oh les coups de classe magnifiques. Ça c'est beau ça. Non, mais même dans la démo, je me suis pris le même piège. Bordel. Surtout que la démo, je l'ai fait une fois en vidéo et je l'ai fait 2-3 fois après. Et à chaque fois, je me suis pris ce piège. C'est vrai qu'il y avait un mec là. T'es un petit peu con quand même, toi. Oh, le headshot. Magnifique. J'espère que le jeu ne va pas se couper après cette séquence. S'il vous plaît, laissez-moi jouer un petit moment quand même. Oh putain.
Franchement, c'est classe, hein, quand même. C'est vraiment classe, quoi. Même, je trouve que les animations, les visages des ennemis ou même des personnages de manière générale sont vraiment bien foutus. Même les décors sont chouettes, quoi. Tout est bien foutu dans le jeu, quoi. Je vais essayer d'être le plus discret possible, même si je sais qu'ici c'est scripté. En tout cas, ça bouffe du lapin. Ah, on n'est pas obligé d'utiliser le couteau. Chut, doucement. Je me suis fait repérer là. Oui, les mecs m'ont entendu. Bon, là il me faut une clé. Oh merde. Oh, il y a une plante là. Merci pour la plante. Aïe, 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 aïe. Oh, l'enculé. Oui, je sais. Je sais jouer. Fabriquer. Parfait. C'est quoi? Je tente le diable. Ton purchage en courant, c'est magnifique. Boum! Parfait ça! Bon, ça brûle. Et vite! Le critique, c'est beau! Franchement, les animations sont cool. Allez, on va enchaîner le script. On est à 24 minutes. Voilà. Ouais, c'est très très cool. Ça aussi c'est cool la grenade.
Attendez, il est rentré le mec là? Il y a du monde. Hop, ça dégage. Essayez de monter. Ça m'a mis un QTE. Le bleu de velours. Oh, il m'a raté. Oh là là, le saut cabriolet. Eh ben dis donc, c'était rapide. Bon, croisons les doigts que je puisse continuer. Là, rappelez-vous, c'était la fin de la démo, là. Les visages sont tellement bien faits, c'est fou quoi. Où ils vont comme ça, y'a une fête? Où est-ce qu'ils vont tous? Y'a une fête? Alors attention, verdict! Je peux continuer. Oh oui. Oui, je peux continuer. Perchoir à Condor 1, j'ai un accès au lac. Cherche un grand moulin avant. Il y a un chemin de l'autre côté. Un moulin. C'est noté. Sois prudent. Terminé. Alors c'est bien foutu ça. Parce que rappelez-vous, dans Hero 4 Original, à chaque fois que Hunigan te parlait, t'avais une espèce de cutscene. Là, c'est directement en temps réel, bah, comme vous l'avez vu. Et franchement, bah, c'est bien stylé, c'est beaucoup mieux. Alors, les mecs, on est à 29 minutes. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un petit cut et on se retrouve après. A tout de suite. Re, les gars. Bon, on va fouiller ce putain de village et on va pouvoir continuer. Donc là, du coup, c'est la totale découverte. Je vais essayer de bien tout fouiller sans de tout ramasser. J'ai déjà 4300 pesetas. J'ai bien tout fouillé là. Hein. Ouais. Ces gens sont tarés. Effectivement. Oh, un petit œuf, parfait, un œuf brun. Bon, c'est fermé, mais je pense que ce bâtiment-là, on va pouvoir y aller que avec Ashley, du coup, en passant par là. Et ce bâtiment-là, du coup, il est nouveau, parce qu'on ne l'avait pas dans l'original. En tout cas, je ne crois pas. Oh là là.
crois, les mecs, niveau munitions, là, on est très très bien. En tout cas, pour le moment. Ok, je l'ai fouillé cette baraque. Très bien. Je vais refouiller cette baraque parce que je crois que j'ai pas tout fouillé là-dedans. C'est même sûr. Tiens, regardez. Voilà, tout ce loot. Oh là là, un spray de secours. Oh, des munitions. L'étage, normalement j'ai tout fouillé, mais je vais refaire une petite vérification. Effectivement, j'ai tout fouillé. Alors la question c'est, est-ce qu'ils vont nous remettre les petits médaillons bleus comme dans l'original? Bon, là du coup je pourrais pas y aller. Ok, super, comment se péter la jambe? Du coup, ça, je vais combiner directement. Ok. Cette baraque-là, je l'avais fouillée. Par contre, ça, je l'ai pas fouillé, ça. Oh là, le rubis. Mais pareil, j'ai toujours pas trouvé la clé du tiroir qu'on avait dans la maison. Putain, par contre, les munitions, en veux-tu, en voilà. Hein. Bon, ne me dis pas qu'il faut que j'installe le jeu pour continuer. Non, c'est bon. Ouf. Oui, ça a changé ici. La petite sauvegarde. Voilà. Alors, est-ce que je peux mettre des trucs dans le coffre? Genre ça, par exemple, déposer. Ça, je vais le déposer aussi, on sait jamais. Les œufs, je les garde. Ça, je vais en déposer un aussi. Je peux pas le déposer? Ah, je peux pas le déposer! Merde. Je vais faire un petit peu de place. Est-ce que je peux le tourner? Ah, on peut le tourner, c'est parfait ça. Voilà. Bon, normalement, plus tard, je pourrais agrandir ma mallette. Hein. Putain, j'ai mon chat qui est allongé sur mes jambes. Il me dérange un peu, mais je l'aime tellement, mon chat, que j'ai pas envie de le jarter, quoi. Mais what? Il est sérieux? Putain de vache à la con quoi. Ouh les mecs, ça sent le... Attendez.
Oh là là. Le collier de perles. Et c'est pas des boules de geisha. Ah. J'ai l'impression que personne ne m'a entendu, quoi. Allô ? Attends, c'est les médaillons, ça ? Oh putain, le retour des médaillons, les mecs. Oh oui ! 1 sur 5. Ok. Putain, y en a un autre ici. 2 sur 5. Bonjour, madame. Hop! Bon, par contre, faut faire attention parce que le couteau peut se casser. On dirait The Last of Us quand je suis accroupi comme ça. C'est fermé. Attendez, par où je... Ah, c'est peut-être par là-haut. Ça, c'est cool ça, quand j'élève ma caméra, Léon lève la tête. Oh bah regardez. 3 sur 5, parfait. Ah mais c'est nouveau ça aussi. Ah je vais pas aller derrière. Ok, faut que je trouve l'endroit pour monter là-haut là. Bon, désolé les mecs, je fais le tour, je regarde un peu partout histoire de rien rater. Normalement, j'ai rien raté là. Les médaillons, oui, oui, je sais. Attendez, comment on craft des munitions de pompe là? Ok. Magnifique. Non mais attendez. Comment je vais là-haut moi? Ça s'ouvre pas. Merde. Putain ça a changé. Ah bah attendez. Est-ce que je peux péter peut-être la serrure là, non? Bon, apparemment, je peux pas y aller encore. C'est sûrement pour plus tard. Ou peut-être là-dedans, tu me diras. Ok, je peux désactiver les bombes, c'est parfait. Ah, nickel. Alors rappelez-vous, si c'est comme l'original, normalement les plantes jaunes peuvent me permettre d'améliorer aussi ma santé. En plus de me soigner totalement, ça améliore ma santé, ça l'agrandit. Parfait. Putain mais ça a totalement changé quoi, ça n'a plus rien à voir. Falloir que je répare ça. Ok. Comment je fais pour aller là? Oh, c'est pas... Oh, mais regardez-moi ça, un petit médaillon.
4 sur 5. Bonjour madame. Aïe. Aïe. Par contre Léon... Attendez, je vais tester un truc. Comment tu veux? Je sais pas du tout comment on part. Va falloir que je... Mais le pire c'est que t'as même pas de tuto quoi. Comment tu veux savoir comment parer? Pardon? Mais c'est quoi ça? Ah mais c'est nouveau ça, c'est... Mais what? C'est qui ce mec? Un homme taureau. Mais, oh, mais oui, bien sûr, à travers le mur. Un homme taureau, mais what? D'accord, il y a des nouveaux ennemis. Mais what? Mais c'est quoi ce délire? Bonjour messieurs. Sans rancune. Sans rancune. Ça dégage. Un survivant. C'est Ben Laden. Putain c'est bien foutu, on voit le plagas qui le... Ah mais c'est, mais c'est super bien foutu quoi. Tu démembres les mecs et tu vois le plagas dans son corps. C'est extrêmement cool quoi. J'ai démembré tout le monde. C'est magnifique. Ah, la roue en bois. Toute cuisine. Alors à quoi ça va servir ça? Ok. Donc on aura des petits couteaux de secours comme ça. Ok. C'est fermé. Super. Attendez, est-ce que je peux péter la porte là? C'est un petit peu compliqué là. Comment je vois mes trésors là? Ok. Ah la map. Ah mais il y a un médaillon. Il y a un médaillon bleu pardon ici. C'est par ici. C'est par ici. Attendez, je vais aller faire un tour. Merde, c'est pas ici. Donc ça veut dire qu'il devrait se trouver quelque part ici, ça veut dire. Effectivement. Ah oui, il est là. 5 sur 5, parfait. Donc normalement là le vendeur il va pouvoir me donner une arme. Normalement gratuite. Putain mais il y a tellement d'endroits cachés, j'ai envie de tout découvrir là. Déjà je vais foutre le truc ici. Voilà. J'ouvre la porte. Parfait. Putain, franchement, il y a eu un gros travail hein, sur le jeu. Hein. Mais vraiment. Hein. Chapeau les développeurs, là. Ah, mais c'est peut-être ici, du coup.
Ah, le retour des Spinels. Oh oh, mais c'est nouveau ça aussi. Alors attendez, est-ce que je peux sertir? Oh là 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 là. On va se faire les couilles en or, monseigneur. Bon. Normalement, j'ai tout fouillé, on est d'accord. Par contre, ce qui est cool aussi, c'est que les cadavres restent au sol, ils ne disparaissent pas. J'ai envie de tester un truc. Est-ce que si je lui tire dessus là? Ah, mais ça j'aime aussi. C'est bien Capcom. Ah, c'est nouveau ça aussi. Il me semblait pas qu'on passait par un espèce de pont en bois comme ça. Je n'ai aucun souvenir de ça. Le lac. Le lac doit être. Du coup, c'est là-bas qu'est le Del Lago. Putain, mais attendez. Alors là-bas, c'est un cul-de-sac. C'est beaucoup plus grand, hein. Ça reste linéaire, mais c'est malgré tout beaucoup plus grand. Et ah, mais putain, mais on voit le. Non, c'est pas possible. C'est pas le télésiège qu'on prend dans l'origine, ça. Après, c'est possible qu'ils ont voulu faire un R4 en mode j'allais dire Dark Souls, mais dans le sens où tout est connecté, tout est interconnecté. Bon, c'est fermé. Attendez, mais on va déjà aller au lac là. En tout cas, l'ennemi, enfin l'espèce de centaure là, s'ils ont rajouté des nouveaux ennemis, ça peut être vraiment cool. Petit hôtel. Œuf de poule. Ça, c'est quoi le petit hôtel là? Attendez les gars, je vais juste faire un petit demi-tour. Je suis désolé, on va perdre un petit peu de temps. On est déjà à 20 minutes. Je crois que je vais faire un autre cut et on va repartir sur une troisième partie. Hein. Ça va être un long épisode. Ah non, j'ai pas encore le truc, mais je vois à quoi ça ressemble. Je m'en souviendrai. Mais je pense que... je pense que ça sera interconnecté chaque, entre guillemets, niveau. Et on va pouvoir, comme ça, librement, retourner dans le début du jeu, etc. Je pense, hein, je dis peut-être des conneries, mais... Oh! Bien tenté, mais vous m'avez raté! Ah ah ah! Mais what? Oh les mecs! Vite, vite, c'est le moment! Oh le con! Il est mort? Il est mort. T'as les mecs qui me jettent des haches du haut du pont quoi! Ah, je me rappelle d'ici. Ça, dans l'original, on le voit. Il y avait même des spinels en haut, là. Sur lesquels on pouvait tirer pour les récupérer.
Attendez. Oh, les chaussures, est-ce qu'on peut les déglinguer? Oh non! Oh la blague! Et franchement, les décors sont cool, hein. Oh mais oui, bien sûr. Les mecs, je crois que c'est là où on va rencontrer... Oh, j'ai eu les deux. Oh, parfait. Oh, mais merde. Je me prends tous les pièges. Ah, j'ai plus mon œuf. Attendez, parce que j'ai la blinde de... Ah, il en faut 12. Je vais les garder. Il m'a tué. J'ai pas le choix de me soigner là. Aïe aïe aïe. Mais... il est solide le grand-père là, c'est pas possible. Par contre, Léon est vraiment lent. Hein. Pour mettre son arme en joue, il est lent. Parfait. Oh le salaud. Alors elle a rien entendu, s'expose de partout, elle entend rien. Oh mais what? Non mais je me prends tous les pièges du monde. Je peux pas rentrer dans cette baraque là? Ah si là. Arriba, arriba! Elle m'emmerde avec ses pièges à con, elle. Mais tu vas mourir, connasse! Merci. Est-ce que je peux aller là-haut? Ouais, je peux y aller, y a une caisse. Oh mais merde! Putain, ils foutent des pièges à ours là, toutes les 500 mètres quoi. Oui, arriba si tu veux. Attends, y a pas de médaillon ici. Faut que j'aille là-bas. Oh. J'aimerais bien leur tirer dans la mine. Voir si je peux la faire sauter dans sa main là. Dans sa main de petit merdeux.
Oh oui, on peut. Alors, on est comme un con là. Est-ce que je peux... Ah, cartouche de pompe, bien évidemment. Du coup, je vais continuer de fouiller. Putain, c'est magnifique, hein. Ah, mais on voit le château de là. Ah, les gars, c'est sûr. Je suis persuadé que les... que le monde est interconnecté et qu'on peut retourner là où on veut, quand on veut. C'est sûr. J'en suis persuadé. La clé, il me faut une clé, très bien. Ah, mais il y a encore un hôtel, là. Et c'est toujours le même symbole. Ok, et les hôtels sont affichés. Très bien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On pourra retourner quand on veut derrière les trucs. Donc là, j'ai un tiroir, il me faut une clé, etc. Ok, très bien. La clé que je n'ai pas trouvée, d'ailleurs... C'est peut-être ici. Là, j'entends un piège. Là, il me faut une clé encore. Bizarre cette photo là. C'est quoi ce bruit? Est-ce que vous me croyez si, si je vous dis que j'ai déjà oublié le nom du mec là? Il m'a repéré, non mais. Il est mort. Qu'est-ce qui t'arrive, Léon? Il vient de faire un bruit bizarre en mettant sa main devant la gueule, comme si ça pue la merde. C'est nouveau, ça aussi. Quoi ce délire? Ah mais ça a changé. Le mec, il l'a enfermé dans un sac. Tu sais que ça fait mal? Désolé, t'avais l'air d'avoir très envie de parler. Perspicace, Seigneur. Et t'as pas une clope? Eh non, je tiens à ma santé. Ah, ok. Tu peux me détacher au moins? Oh mais, manquez plus que lui. Oulala. Et... Restez où vous êtes. Léon qui s'est fait injecter le plagas. Chapitre terminé.
Parfait. Alors, machine à écrire, on va sauvegarder. Alors, verdict, est-ce qu'on va pouvoir continuer? Parce que là, je suis à 48%. Ah ah ah! Eh ben, les gars, je vais devoir m'arrêter là. Écoutez. C'est pas trop grave. De toute façon, je pourrai jouer. Je continuerai demain, donc pour moi, pour vous situer encore une fois. Quand je vous dis demain, donc pour moi, ça sera dimanche 2 avril. Voilà. En tout cas, j'espère que ce premier épisode de RE4 Remake vous aura plu. Je suis en kiff total. Le jeu est vraiment cool, mais vraiment. C'est un pur kiff. Je suis pressé de continuer, les mecs. Du coup, j'ai sauvegardé, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Je vais le refaire par acquis de conscience. Voilà. Et si l'épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Le gros like, ça fait plaisir. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et activer la cloche si vraiment vous avez envie. Je ne force personne. Voilà, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la peine, prenez soin de vous et à bientôt.